Ça, c'était pas l'idée du siècle, hein. Le mieux, c'est de laisser faire la vraie bébête qui monte. Et oui, je te présente une super copine, reine de l'escalade, ma grenouille de salle de bain. Elle reste bien accrochée au mur pour garder ma brosse à dents au sec. Et tu peux la coller sur le mur de ta salle de bain grâce à des ventouses comme celle-ci. Ah, tu veux la même pour chez toi. Bon, alors, il te faut tout d'abord un gobelet en plastique comme celui-ci. Et c'est parti! Prends le gobelet en plastique et pose-le au centre d'un carton épais. Trace ses contours. Ce sera le corps de la grenouille. Dessine la tête en haut. Ne t'inquiète pas si elle déborde sur le corps. Sur les côtés, dessine-lui des yeux qui voient tout. Et puisque la grenouille regarde vers le haut, son nez sera au-dessus de ses yeux. Pour donner du relief à son corps, trace deux demi-cercles autour. Regarde, ses pattes de devant seront grandes et courbes. Dessine ses orteils palmés qui lui permettent de s'accrocher partout. Dessine ses pattes arrière de la même façon. Parfait! Rajoute plein de taches sur tout son corps. Hé, tu sais qu'il existe des grenouilles tellement tachetées qu'on les appelle des grenouilles léopards? Découpe la grenouille et voilà ce que tu obtiens! Pour qu'elle puisse accueillir ta brosse à dents, fixe le gobelet en plastique à son corps avec de l'adhésif. La grenouille doit être très costaud pour pouvoir grimper au mur. Je l'ai recouverte de papier essuie-tout et de colle spéciale Art Attack faite, tu te souviens, d'un mélange égal de colle et d'eau. J'ai aussi renforcé les raccords et le bord intérieur du gobelet. On va utiliser des ventouses comme celle-ci pour coller notre copine au mur ou au miroir. Tu peux récupérer celle de vieux jouets dont tu ne te sers plus. On continue. Peins la grenouille en vert, c'est la couleur typique des grenouilles. N'oublie pas de peindre aussi son dos. Ses pois seront jaunes, elle en a sur tout le corps. Ensuite, trace un trait autour des yeux de notre amie avec un feutre permanent. Ce batracien a une super vision nocturne. Retrace son nez, les lignes de ses orteils, ses ventouses et bien sûr, tous les pois. Avec l'aide d'un adulte, perce un trou dans chaque patte. Voilà ce que tu dois obtenir. Parfait! Et maintenant, au tour des ventouses. Retourne la grenouille et enfonce une ventouse dans chacune de ses papattes. Oh yeah, oh yeah! C'est super, non? Et regarde, j'ai mis un autre gobelet à l'intérieur du premier pour y ranger ma brosse à dents. Comme ça, je peux le nettoyer ou le changer quand c'est nécessaire. Mais les grenouilles ne sont pas les seules bébêtes qui montent. Tu peux en créer des tas d'autres. Tiens, voilà un koala qui gardera tes crayons préférés. Bah, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Ah, je l'avais rangé dans le chat grimpeur. Au lieu d'utiliser un gobelet, j'ai pris une petite boîte pour le fabriquer. À toi de jouer, trouve des ventouses et amuse-toi à créer des super bébêtes qui montent. Ne jette pas tes vieilles brosses à dents, tu peux les utiliser pour créer de superbes dessins avec la technique de l'éclaboussure. Il suffit de tremper la brosse dans la peinture et de la frotter doucement avec ton pouce au-dessus d'un papier. Et comme ça, tu créeras des dessins originaux en recyclant tes brosses à dents. Super conseil, Vincent. Et rappelle-toi, notre planète est une œuvre d'art extraordinaire. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour la protéger.